Amis, c'est toujours moi dans la vidéo. J'espère très bien que vous aimez. Et dites-moi si vous avez aimé et si vous abonnez-vous. Donc, j'ai tout sur vous. Prenez son nom. Je connais très peu Chadouzou Kenuta. Donc, il fait partie de la famille des costauds, ses tribus et la terre. En plus, surtout que c'est un chat terrestre. Son aliment préféré, les boulettes de viande. C'est un chat connois de classe F, numéro 301. Quand une personne est envoûtée, la personne devient d'un coup super. La personne devient à quatre pattes et sans pitié. Bien sûr. C'est un chat ninja, mais qui a été gravement blessé. Donc ses parents sont morts depuis qu'il était chaton. Il a vécu toute cette année sans se soigner. Donc, j'ai très bien. Et que c'est un village du petit village du clan Oto. C'est là où il vient parce que lui, il sait très bien la vitesse et le son, bien sûr. Et que surtout maintenant, il a une queue découpée. Il a une queue moitié coupée. Et depuis maintenant qu'il a une queue moitié coupée, il peut plus se tenir. Maintenant, il peut se tenir. Attention, la queue des chats et des chaconnats sont très importants. Ça s'appelle même de garder l'équilibre. Bien sûr. Mais depuis que sa queue a été coupée pendant une guerre, maintenant ça craint. Parce que. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que lui, il peut plus tenir maintenant. En fait, il peut rester sur deux pattes, mais pas pour longtemps. Donc, il y a un moment qu'il doit rester assis et à quatre pattes. Il reste très souvent assis et à quatre pattes. Donc, c'est logique. Et surtout qu'il a un pouvoir de technique de son. Et qu'il tient. Et pour se tenir à deux pattes, il tient avec un dos moitié bas. Bien sûr. Et il se déplace comme ça. Il se déplace avec un dos penché. Oui, il se déplace comme ça. Et surtout qu'il peut porter. Et pour porter ses deux coéquipiers, un coéquipier et une coéquipière, il doit utiliser ses deux pattes pour les porter. En plus, il est très doué pour sauter. Donc, il a la raison pour quand même mettre des bandages. S'il met des bandages, c'est parce qu'il n'est pas beau à voir, lui aussi. Comme, avec bandage, il cache le visage droite. Et attention, voici le résultat quand il descend. J'ai très bien, mais c'était pas beau à voir. Mais je comprends que c'est dur. Mais c'est un chat quand même qui était assassin. Et que j'étais lui le redoutable guerrier à avoir travaillé pour Shaoshimaru. Le pire. Mais maintenant c'est fini, il a été tué. Mais c'est pas quand moi. Moi je pense qu'il s'est fait tuer par Charocli ou. Je sais pas. Mais tout ce que c'est, il avait beaucoup de cicatrices. Merci. Et bien sûr, parfois, il pousse un peu loin, mais il a un décès. Bien sûr, mais je ne sais pas par quoi. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aimez. Et cette fois, abonnez-vous. Et vous allez voir d'autres vidéos. À toutes.